nous est redevable à tous les deux. Il est logique qu'il paie. De toute arnaque, il y a toujours un adversaire. Et toujours. Toutes nos tables sont réservées. Pas me sentir enfermé. J'ai jamais aimé, ça changera pas. Toujours une alternative. Qu'est-ce qu'ils ont, ces escaliers? Et maintenant, je suis bon pour passer les deux prochaines minutes. Toutes nos tables sont réservées. Mais vraiment, vraiment à l'étroit. Pas me sentir enfermé. J'ai jamais aimé, ça changera pas. Toujours une alternative. Félicitations. Qu'ils ont ces escaliers. On dit que vous vous débrouillez comme un chef. Ça, je m'a dit, en ce bas monde, il y a une priorité. Et maintenant, je suis bon pour passer les deux prochaines minutes à 30. On est vraiment, vraiment à l'étroit. On m'a fait comprendre qu'en vous laissant venir à ma table, je prenais un risque. Un business comme le mien, Jack. Or, Félicitations. On dit que vous vous débrouillez comme un ancien employé. Combien tu as? Ça, je m'a dit, en ce bas monde, il y a une priorité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Une toute petite question. Va pas faire une attaque. À toi de parler. Savez-vous de quelle question il s'agit, monsieur Green? Vrai raid. On m'a fait comprendre qu'en vous laissant venir à ma table, je formidable, prenais un risque. Monsieur Green. Vous avez encore progressé dans votre... Magie. Or, le plaisir de retrouver un ancien employé... Combien tu as? Pour savoir, qu'est-ce que ça peut te foutre? Mettez-vous à l'aise. Va pas faire une attaque. À toi de parler. Heureusement, il glisse discrètement sur le spectre des couleurs entre... Rouge. C'est formidable, monsieur Green. Mais il est encore fort de la ramener, magie. Vous savez quoi? Je vais faire... Monsieur Maca apprécierait que vous remontiez à sa table. Mettez-vous à l'aise. Il vaudrait que glisse discrètement sur le spectre des couleurs... Mal, monsieur Green. Vous en aurez besoin. Billy Duke a la force de la ramener, tu sais. Vous savez quoi? Je vais faire... Pige, c'est du rail digéré. Et je te rappelle qu'il y a eu aussi l'épisode avec la femme de son frère. Qui joue les Scarface entre deux fixes. Règle ça avec son père. C'est un miracle que votre... Cul, monsieur D. Voilà tout. Je t'en foutrais du cul, ce mec-là est dangereux. Il a un mètre. Pige, c'est du rail à digérer. Et je te rappelle qu'il y a eu aussi l'épisode avec la femme de son frère. Qui joue les Scarface entre deux fixes. Règle ça avec Sorter et Slim Begins. Du taf soit. Nous aurons les résultats. Je voulais vous tuer, il y a longtemps que ce serait fait. Il y a longtemps que ce serait fait. Bonjour, monsieur Green. Ah oui, l'a loupé. Asseyez-vous. Je suis moi-même impressionné. J'ai pensé que un massacre fait par l'hôpital. Il y a un truc qui tourne pas rond dans cette histoire-là. Ouais. Distance. Vous mourrez dans trois jours. Pas de danger. Par une vilaine molécule qui en peut. Green. Monsieur Green. Doré. Okay, monsieur. Bonjour, monsieur Green. Ave. Plus dansé, mais c'est. Je suis moi-même un passionné. Je pensais que ma sanguin, ces conditions étant non négociables. Peu importe. Faudra que tu te lèves tôt pour me soulager de quoi que ce soit. Vous mourrez dans trois jours. Vous allez nous pas seulement une arnaque, mais réfléchissez une seconde et vous réaliserez que ça n'a rien demande. Vous ferez tout ce qu'on vous dit, y compris répondre. Mieux c'est. Le plus raisonnable serait évidemment de. Deux conditions. C'est que vous avez trois heures non négociables.
Même pas en Faudrait rêve. Que tu te lèves tôt pour me soulager de quoi pas que aujourd'hui, soit, animal. Vous allez nous pas seulement une arnaque, mais réfléchissez une seconde et vous réaliserez que ça n'a rien. Demande. Ah, comme vous ferez tout ce qu'on vous dit, y compris répondre au. Voilà, Jake. Le plus raisonnable serait évidemment. Cas d'annoncer de... ce genre de choses. Vous avez une rare. Vous avez 3 heures pour vous décider. Même pas en rêve. 4 heures aujourd'hui. 5 secondes. J'engraide, je vois. Au moment de gagner. Qui pense à l'échec comme des singes. Mais un fait certain, qu'on préfère voilà, ignorer. Voilà, Jake. Cas d'annoncer ce genre de choses. C'est qu'une question de temps. Quoi ce coup-ci ? Et pourquoi trois fois, s'il te plaît ? Un mauvais film. À te revenir dans 5 secondes. Pour ressentir quoi laisserais-tu en grève ? Au moment de gagner, qui pense à l'échec. Mais aussi, si tu pouvais un fait certain, de côté, qu'on préfère ignorer. Bien sûr. Cela m'enchanterait. C'est qu'une question de temps. Quoi ce coup-ci ? Et pourquoi 3 fois, s'il te plaît ? Qu'ils y connaissent que dalle. Un mauvais feeling. Dès lors qu'une loi existe, jusqu'à situation désespérée. Solution à mettre en cause la qualité de nos rapports. Aussi, si tu pouvais laisser tes feelings de côté. Ça représente tellement d'espoir. C'est nickel. Rêve comme la justice. Cela m'enchanterait. Nous sommes. La longue, vous verrez que vous en ferez autant. Je sais combien vous tenez à vous. Une loi existe, parce qu'à situation désespérée. Solution désespérée. Vous avez le sac en main, je vous fais signe, vous le posez sur la table. Très soucié. Peut-être que ça représente tellement d'espoir. C'est peut-être nickel, raide comme la justice. Le certificat est déjà signé. Alors où est le problème ? Nous sommes. La longue, vous verrez que vous en ferez autant. Je sais combien vous tenez à vous. Sans vouloir être désagréable. Vous avez le sac en main, je vous fais signe, vous le posez sur la table. Je sais que je pourrais pas les emporter avec vous. Arnaquer. Alors pourquoi cette souffrance ? Peut-être que je me fais entuber. Quand c'est tombé, le certificat est déjà signé. Alors où est le problème ? Claque encore une fois des doigts et je te les casse un par un. À partir de quand ? Sans vouloir être désagréable. Qui travaillait avec lui ? Surnommé les trois Eddy. Voyant, bruyant. Maca a vu un de ses joueurs le plaquer. Je pourrais pas les emporter juste avant une partie. Alors pourquoi ? Du coup, ils sont allés trouver mon frangin et sa famille. Ils venaient. En voyant ça et pour calmer le jeu, j'ai accepté de le remplacer. C'est là que c'est à partir de quand on commençait à dégoûter. Vachement drôle, j'ai travaillé avec lui. Surnommé les trois et celle-là, comment tu la trouves ? Tiens, lâche-moi et je suis interrogé. Maca les a dit joueurs le que je craque. Juste avant le coup est parti. Ils sont allés trouver mon même frangin temps, lui perdait sa femme. Ils venaient. En voyant ça et pour calmer le jeu, j'ai accepté de le remplacer. Après, les trois et dit. Voilà. Il fallait que Maca c'est là que ces roubouzeux ont commencé à dégoûter. Vachement drôle, Georges. Celle-là, comment tu l'as quelqu'un lâche-moi et je suis interrogé. Les Eddy ont eu peur que je craque. Tu, le coup est parti. En même temps que lui perdait sa femme. Je ne doute pas. Peu de temps après, je les trois Eddy. Confort. Voilà. On vous fera avec ma capelle, lui aussi. Où tu vas ? C'est quoi cet embrouille ? Il y a une plombe que je fais la statue. C'est pas. Soyez indulgents. Pour l'instant. Il n'y en a pas. Enchanté. Monsieur McCann, nous ne nous connaissons pas. Je suis Madame Walk. J'ai estimé qu'il chambre pouvait être tout utile confort. De prendre le temps d'en causer. On vous fera signe. On peut pas voir Gold. Où tu vas ? C'est quoi cet embrouille ? Monsieur Gold, que je fais la statue. Nous n'aimons pas la publicité, Monsieur McCann. Non, moi non plus. Je vais. Enchanté. Monsieur McCann, nous ne nous connaissons pas. Je suis Madame Walk. J'ai estimé qu'il pouvait être utile de prendre le temps d'en causer. Pas date fixée. Bonne journée. Je vous apporte la poudre vendredi. Parfait. Monsieur Gold, vous... Non ? Nous n'aimons pas la publicité, Monsieur Maca. Non, moi non. Votre blé est là. Monsieur Gold, on n'accorde jamais de délai. Nous devons bonne savoir journée. Combien d'années de prison vous avez... Jour bouclé entre deux taulards dignes de ce nom. Enfermés de là auraient été mariés, qu'ils auraient pas pu mûrir là. Une fois maintenant. C'est comme ça que j'ai lu cette théorie de l'arnaque. Vous savoir combien d'années de prison vous avez. Les mathématiques, la mécanique quantique. Échec et arnaque. Ces messieurs qui choisissaient chacun d'en plancher là-dessus. Je passais 20 heures par jour bouclé entre deux taulards dignes de ce nom. J'ai planché la catégorie. Enfermés de là auraient été mariés, inventer l'arnaque qu'ils auraient pas pu mûrir l'ultime. Une formule. Une fois pour gagner l'ultime partie. C'est comme ça que j'ai lu cette théorie de l'arnaque fondée sur l'hume. Les mathématiques, du mécanisme quantique. Douter d'eux.
Ils obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. Au-delà des murs, j'arrivais à ce qu'on l'avait promis. Ton plancher avec nous, Jack. Et je les ai crus. Vous la moindre trace de leur passage, encore moins de leur sortie. Comme si c'était l'arme évaporée de moi, ou presque. Une formule pour gagner l'ultime partie. Tous mes secrets. Ils m'ont juste laissé un mot et leur vertu derrière eux en sortant. Réglevez leur formule. Ils estimaient douter d'eux. Ils obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. Au-delà des murs, j'arrivais à ça. Ils me l'avaient promis, Jack et Mac. Tu viens avec nous, Jack. Et je les ai crus. Plus la moindre trace de leur passage, encore moins de leur sortie. Comme s'ils s'étaient évaporés noirs ou presque. Tous mal. Tous mes secrets. Ils m'ont juste laissé un mot et une perche fermée derrière eux en sortant. Réglevez leur formule. À chaque fois que j'y pense. Elle fonctionnait. Et Jack et Mac. Je suis pied cuit, fait et refait. Me rendre. Pourquoi ils se donnent tous mal, puis en transe d'automatique. L'aide de Pitbull rapide dès que je ferme les yeux. Il me raptif à chaque fois que je pense. Rien. J'évaille. Embarquez le chien. Je suis pied, fait et refait. Comment on fait? Me rendre. Puis en transe d'automatique. Vous avez casqué la vieille? Elle a l'argent? Non. Vous avez eu quelque chose de la part de Rovitz? Dans les deux cas, en rien. Jouez pas aux marioles avec nous. Embarquez le chien. Dorine, rentre sa caisse. Comment on fait? Le Captain, monsieur D. C'est impossible à percer. Troisième étape, roule! Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Fais casquer la vieille. Ce putain de con, ça sert à rien, on n'y fout jamais rien. Vous avez eu quelque chose de la part de Rovitz? Où est-ce que vous êtes allé chercher ce coup? Jouez pas aux marioles avec nous. Paul. Dorine, rentre sa caisse. Non, Paul. Ça devrait le faire écrire. C'est impossible à faire sauter dans un abdomen. Troisième étape, roule! Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Je ferai ce putain de con. Ça sert à rien, on n'y fout jamais rien. C'est clair. Je sais. Où est-ce que vous êtes allé chercher ce coup? Non, est-ce que ça savoir chez qui? Comment dit combien elle coûte? Trouve-en! Non, Paul. Ça devrait le faire écumer. Qu'est-ce que ça foutait dans un de nos bâtiments? On devra. Je veux des résultats. C'est compris? Je ferai ce qu'il faut. Et comment que tu vas? Attendez. Est-ce que c'est clair? Je sais quoi faire. Il doit être. Oh. Non, est-ce que ça savoir chez qui, ni comment, ni combien elle coûte? Trouve-en, c'est tout. Vous voulez qu'on discute de quoi exact? Je parle javanais ou t'es sourd, Paul? Quand je te les compte, monsieur, c'est moi qui commande ici. Monsieur, je fais trembler tout le monde. Et avec mention. Attendez. Il doit être. Paul, quand tu feras la transaction. Vous voulez qu'on discute de quoi exactement? Je parle javanais ou t'es sourd, Paul? Quand je te les compte. Monsieur, c'est moi qui commande ici. Monsieur, je fais trembler tout le monde. Et avec mention. Paul, quand tu feras la transaction. Vous êtes dur de la feuille, je vous crains rien, je dis seulement que je les aime. Ok, mais il va la voir, sa putain de guerre! Je crois pas que ce soit lui, monsieur D. Il se doute. Comment t'as eu des bras? Je prends les escaliers. Comment t'as eu des bras, Non, arrête, il faut que je sorte. Je vous ai dit de rester. Merde, de m'inquiéter une seconde, des conséquences. Vous êtes dur de la feuille, je vous crains rien, je dis seulement que je les aime. Je me fous du monde entier! C'est putain de guerre! Je crois pas que c'est celui-là d'avoir peur. Comment t'as été, Roma? Attends. Tu prends les escaliers. Comment t'as été, Roma? Non, arrête, il faut que je sorte. Je vous ai dit de rester. L'air de m'inquiéter une seconde des conséquences. Je me fous du monde entier! J'ai l'air d'avoir peur. Attends. Vous allez vous asseoir. Le pacte crève. Les conséquences! Tu sais où tu peux te les. Il n'y a pas de problème. La destruction est imminente.
fille, il n'y a pas de problème, parce que plus malin. Quelle est la solution? Et moins elle l'a en réalité. La formule a un éventail extrêmement large d'efficacité comme d'usage, mais venez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe, prenez. Plus l'environnement est vaste, plus il en a le contrôle. Vous qui faites le travail, tant vous laissant croire que vous avez pris ces pièces, parce que vous êtes plus malin. Aidez d'avoir le contrôle. Échec. Et moins elle l'a en réalité. Plus la couleuvre la formule a un éventail extrêmement large de vie, plus elle s'est fait usage. Avoir. Venez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe. Sans contester. Prenez. Nul l'environnement est vaste. Ça. Plus il en a le contrôle. Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un... Échec. Échec. Ça va comme vous voulez. Plus la couleuvre est grosse. Oui. Plus elle a déjà servi, plus elle s'est fait avoir. Deux minutes. Tip qui veut causer. Sans contester. Les gars sont le dernier recours. Ils sont le dernier recours. Accepter ça. Gold. Oui. Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un... Tire-toi en vitesse. À part tes potes, les deux fêlés. Ça ils va doivent pas être comme tout le monde pour que Gold n'y touche. La rumeur le dit. Soit à côté de toi. Ces deux types. Et vire en deux vitesse. Deux minutes. Tip qui veut causer. Tes deux gars sont le dernier recours. Ils sont le dernier recours. Gold. Demain. Oui. Le Gold. Demain, demain. Demain ne viendra jamais. Tire-toi en vitesse, à part tes potes. Tu dois prendre tout le monde pour que Gold n'y touche. La rumeur le dit. Ces deux types, et vire en vitesse. Vous ne le tuez pas. Visez-lui seulement la vie. Il n'a pas les épaules. Demain, d'où est-ce que vous sortez tous les deux? Demain, pas fichu de voir ce que vous avez devant les yeux. Demain ne viendra jamais. Allez, vite, attends, vous faites pas prier. Monsieur Green, allez, fous le camp. Exécution! Vous ne le tuez pas. Visez-lui seulement la vie. Ce que vous faites, monsieur Green. Il n'a pas les épaules. Il tient. D'où est-ce que vous sortez, tous les deux? Pas fichu de voir ce que vous avez devant les yeux. Allez, une dette, ça se paie. Vous faites pas prier. Réveillez-vous. Allez, fous le camp. Oh! Exécution! Vous réalisez vraiment ce que vous faites, monsieur Green? Te laisse pas voir, Jack. Des gens qui nous surveillent. T'inquiète pas, ma chérie. Sois mignonne, tu veux? Réveillez-vous. C'est à toi que tu dois faire gaffe. Oh. Sincèrement, nous ne pourrons jamais nous faire... Des gens qui nous surveillent. T'inquiète pas, ma chérie. Sois mignonne, tu veux? Ah. C'est à toi que tu dois faire gaffe. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La seule raison qui te pousse à endurer ton patient. Généreux, drôle, mature et âme. On est tous accros. Avec le compliment à la clé. Ah. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Deuxième chance. On se demanderait la seule raison qui te pousse à endurer ton pourquoi patient. Je devais pas être au courant. Généreux, on vous dira tout drôle, ça en temps voulu. Je mature et un... Ils m'ont balancé un green. On est tous accros. C'est le frère aîné. Ils sont avec le compliment à la clé. Ils veulent vous impressionner. Très maintenant qu'on va rigoler. Et une deuxième amusant chance. Que vous disiez ça. Zach nage hyper bien. Pourquoi grimper dans ma piole d'attraper pourquoi un devais pas être bain et je reviens. On vous dira tout ça en temps voulu. Je contre une dose. Ils m'ont balancé un... Green. Combien de temps? Pour vous débrouiller cette fois, son gourmand. Ils veulent vous impressionner. Amusant que vous disiez ça. Zach nage hyper bien. Pourquoi grimper dans ma piole d'attraper un bain et je reviens. J'évite. Tu l'annonces. Combien de temps? Pour vous débrouiller cette fois. Bien sûr. Je voulais vous donner une compensation. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était vous rapporter une affaire simple.
3% mensuel d'intérêt sur n'importe quel taux qu'ils appliquent ailleurs, légalement deux ou non. Deux sucres, c'est bien cela. Du coup, l'un d'eux vous a dit... Ils protégeront toujours leur investissement. Vous le reconnaissez, avoir 4% mensuel. Tu sais que pendant deux ans, vous avez été fidèle au rendez-vous, précis comme une horloge. Vous l'avez joué fine. Et il voulait vous donner... Compensation. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était... Au bout de quelques mois, il n'avait plus assez de liquidité. 3% mensuel d'intérêt sur n'importe quel taux qu'ils appliquent ailleurs, légalement ou non. Vous l'avez dit, du coup, l'un d'eux vous a dit... Ils protégeront toujours leur investissement. La question d'avoir 4% mensuel. Je partage pas la poule. Pendant deux ans, vous avez été fidèle au rendez-vous, précis comme une horloge. Yeah. Vous l'avez joué foutrement riche. Lentement, mais s'est connecté trois mois à la paix d'Ergarané des Faux. Vous avez pris votre frère, sa fille, il n'avait plus assez de liquidité investie. Sur la méthode idéale pour rentrer au jeu. Mais pour de vrai, Jake. Plus il disait la vérité, plus il souffrait. La question de lâcher le morceau. Qu'ils disent la vérité. Je partage pas la poule. Vous l'auriez passé la corde pour se pendre, vous épargnez. Après, vous êtes encore plus riche. Si ce n'est... Sacrément vous n'êtes pas autant. Au bout d'un an, déconnecté trois mois à l'abri des regards indiscrets. Vous avez pris votre frère, sa fille, la... Débat animé sur la méthode idéale pour rentrer à Macca. Mais pour de vrai, Jake, plus il disait la vérité, plus il souffrait. Qui me disait la vérité pour rattraper la... Vous leur aviez passé l'accord pour se pendre, vous épargnant... Et vous l'êtes, si ce n'est... Vous n'êtes pas autant. Elvis, j'aimerais savoir une petite chose. Toi plus les autres, ça fait 6. Plus Lynn Begins, qui à lui seul en vaut bien 6. Alors explique-moi comment ça, c'était pour désarmer que tu veux dire et ne dire rue. Le basculer par-dessus un mur de 2 mètres et... Nous sais pas. On devait tous venir. Attention à la voile, le poisson qui crame. J'aimerais savoir... Bon enculé. Plus Lynn Begins, qui à lui seul en vaut bien 6. Alors explique-moi comment ça, c'était pour désarmer et ne dire rue. Le basculer par-dessus un mur de 2 mètres et... Nous sais pas. On devait tous venir. Attention à la voile, le poisson qui crame. Bande d'enculés. Délais-moi. Maman, on est voir. C'est quoi, je vois. Un dégât de Lord John, Tony le marrant. Plus tôt qu'à son compte. Ils ont tous cédé à la main du gars. Pour voir que ton feeling a tourné. Qui te disent où ma cam a été cachée. Putain. Ouais. Un dégât de Lord John, Tony le marrant. Plus tôt qu'à son compte. Ils ont tous cédé à la main du gars. Tant de voir que ton feeling a tourné. Qui te disent où ma cam a été cachée. On ne devient plus malin qu'en se mesurant à un adversaire plus malin. Mais quelle en est la limite, Monsieur Green? La partie se termine à quel moment, Monsieur Green? Elle est devenue votre meilleure amie au fil du temps. On s'attend à le voir surgir. Savez-vous qui est... On ne devient plus malin qu'en se mesurant un adversaire clandestin. Vous faisant croire qu'il est mais vous. Quelle en est la limite, ne voit jamais Gold. Mais la partie se termine à quel moment, Monsieur Green? Et personne ne le sait. Claque de ce délire, ça commence à me saouler. Elle est devenue votre meilleure amie et il vous dit quoi faire. Soit mis au défi ou consistant le moins à le voir surgir. Dès lors, l'investissement pour soi. Savez-vous qui est... Sam Gold. Il est alors Monsieur Clandestin. Vous faisant croire qu'il est vous. Nul ne voit jamais Gold. Et en ce moment précis dans son jeu, il est en train de vous dire... Personne ne le sait. Qu'il ne... À part tes potes, les deux fêlés. Dire, ça commence à me saouler. Il vous a mis en conflit avec le... Il vous dit quoi faire. Soit dans tous les moyens contestés. Vous le protégez alors plan pour un adversaire. Là où on... Il est alors... Vous le protégez avec votre douleur. Ce dont je suis certain. Et en ce moment précis... Qu'il n'y a rien de pire. Il est en train de vous dire... À part tes potes, les deux fêlés. Jusqu'où êtes-vous réellement prêt à... Vous avez mis en conflit avec le... En s'en donnant tous les moyens. Vous le protégez... La meilleure planque pour un adversaire. Là où... Vous êtes toujours en prison, vous le protégez avec votre quand douleur. Tu poses des questions, ils répondent par des énigmes. Tu connais les règles. Il n'y a rien de pire que de retourner contre toi-même. Jusqu'où êtes-vous réellement prêt à pousser...
déclaré pour détruire votre véritable ennemi. Vous êtes toujours en prison, Jack. Il te le ferait, Jack. Tu poses des questions, il répond par des énigmes. Vous ne pouvez tu pas connais le faire. Les règles. Réveille-toi ! Va te retourner contre toi-même. Désolé de vous réveiller, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Désolé ? Non, mais tu t'entends ? Je vous prie de me... Trop loin. Clary, descends-le pour détruire votre véritable ennemi. Écoute pas, écoute pas. Essayez pas, Jack. Occupe-toi de ton ennemi. Il te le ferait, Jack. Veille sur tes intérêts. Usez de tout le... Vous ne pouvez pas le faire. Réveille-toi ! T'es à plat ventre. Je reconnais que vous êtes un homme inspirant, s'il vous plaît, écoutez-moi. Solé ? Non mais tu t'entends ? Où tu l'as mise, Jack ? Un don à votre ennemi comme cadeau de paix. Descends-le, ce fumier. Dans l'attention, n'écoute pas. Il essaye de te être fait. Occupe-toi de ton ennemi, veille sur tes intérêts. Usez de tout le... Tu branles, Jack ! Laisse tomber ! T'es à plat ventre. Je reconnais que vous êtes un homme inspirant la crainte et le respect. Où tu l'as mise, Jack ? Un don en votre nom comme cadeau de paix. Dans l'intention de me faire stupidité. Tu vas mourir dans un mouchoir de poche, Jack. Vous êtes sûr de le trouver ? On est bloqué, Jack. Bloqué. Les murs se resserrent. Les dents se resserrent. J'entends. Sans moi ? Tu sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, la vie sans moi ? Non ! Protège, autant que je te contrôle. Tu vas mourir. Quand j'ordonne, tu exécutes. Nouveau venu. Nouveau ? Pas de vieux amis, Jack. Comme moi, des gens dont tu dois te méfier. Je reste, il se casse ! J'ordonne ! Tu exécutes ! Je vais me débarrasser de toi. Tu veux me traiter en ennemi ? Tu veux t'en prendre à moi ? Tu sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, la vie sans moi ? Non ! Protège, autant que je te contrôle. Le voilà, Jack ! Quand j'ordonne, tu exécutes. Nouveau venu. Nouveau ! Pas de vieux amis. Comme toi, moi, des gens la dont plus tu belle dois te méfier. Marc, je reste, il se casse ! J'ordonne ! Tu exécutes ! Tu l'as pas. Je vais me débarrasser de toi. Tu veux me traiter en ennemi ? Tu veux t'en prendre à moi ? Je suis, toi ! Tu ne me contrôles pas. Me voilà, Jack ! Je... Quoi ? Toi et moi, la plus belle combine qu'il ait jamais mis au point. Tu es rentré chez moi pendant que je l'ai pas. Avec une arme à feu, je te le dis. Garde ton main. Je suis toi. Tu as quelqu'un. Je te descends tu comme le sale fils pas. De chienne que tu... Je... Moi. Tu rentres chez moi pendant que je dors. Avec une arme à feu, je tue. Descends comme le sale fils de chienne que tu... Moi. On a déjà refroidi Lord John. Moi. Comment allez-vous, monsieur ? Parce que vous faites la une ce matin. On pense que ça vient de toi. On a déjà refroidi Lord John. Ça pourra peut-être te paraître étonnant, Paul. Du nouveau concernant Green. Si t'en veux, je peux t'en apprendre à son sujet. Comment allez-vous, monsieur? Non, plus de nouvelles de monsieur Green avant un bail. Où la blanche se trouve, il le fera dans une autre vie. Je pense que ça vient de toi, Tho. Crains-moi ! Crains-moi ! Ça tourne à l'orage. Les tam-tams diffusent un message. Ça pourra peut-être te paraître étonnant, Paul. Du nouveau concernant Green. Un message. T'en veux, je peux t'en apprendre. Évoque les problèmes que Monsieur Green nous cause. Non, plus ni rien de ça, c'est très fâcheux. Quoi peu, sois ignoble. Qu'on ne parle plus que de ça dans la presse demain. Règle son vie. Tout. Crains-moi ! Crains-moi ! Ça tourne à l'orage. Quelqu'un a prévenu qu'il venait. Il diffuse un message. Il diffuse quoi comme message ? Un message. Évoque les problèmes que Monsieur Green nous cause. Et rien que ça, c'est très fâcheux. Quoi peu, sois ignoble. Qu'on ne parle plus que de ça dans la presse demain. Règle son... Tu sais pourquoi nous sommes là ? Quelqu'un a prévenu qu'il venait ? J'ai dit... Ah, et tu veux parler ? Qu'est-ce que je te dis ? Paul, va te cacher dans le sacard. Impossible de savoir, il bouge tout le temps. Chut, chut, chut. Ok. Tout ouvre. C'est pourquoi nous sommes là ? Je ne te crois pas une minute. J'ai dit... Je
peux me fier à personne. Il m'anéantit. Tu veux parler? Il m'anéantit. Paul, j'ai le boulot. Je sais. Il me finira. Impossible de savoir, il bouge tout le temps. Chut, chut, chut. Okay. Arrive. Tout ouvre. Me dis pas. Je pense que tout le monde vous tenait pour un sale type, monsieur Maca. Une minute. Savoir. C'est une couronne. Je peux me fier à personne. Putain, saloperie de couronne. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Maca? J'ai le boulot. Monsieur Gold. Il me finira. Comme vous verrez vous-même. Paul. Est-ce que j'ai une tête de cave? Il veut savoir comment je m'appelle? C'est facile, un délire. Je les premiers. Je pense que tout le monde vous tenait pour un sale type, monsieur Macart. Demande-moi. Savoir. C'est une couronne. Une putain de saloperie de couronne. On va le voir venir. Est-ce que vous avez Paul, monsieur Macart? Monsieur Gold, comme vous verrez vous-même. Bonne chance. Est-ce que j'ai une tête de cave? Il veut savoir comment je m'appelle? C'est facile, un délire. Tu es les premiers. C'est pas très compliqué, tu l'as. Demande-moi. Ça. Tête dans le seau. Va le voir venir. Bien y avoir un froid entre nous. Dis-moi ce qui s'est passé, Elo. J'en avais jusque-là commencé à tripoter les cheveux de la petite. C'est là que sans prévenir, sans plutôt en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Ou pareil, réservé aux grandes personnes. Voilà ce que je veux que tu fasses. Puis, bien y avoir un froid entre nous. Dire, d'accord, t'as bien compris. Il te suffit de venir la chercher. Dis-moi ce qui s'est passé, Elo. J'en avais jusque-là commencé à tripoter les cheveux de la petite. C'est là que sans prévenir, sans buter en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Gosse. Faites-le monter. Ce qu'on vient faire là. Un dernier cadeau. Et du jus le plus élégant. Jamais. Jack Green. Il est dans chaque adversaire. Si vous tentez. Pourquoi fait une? L'élégance de l'adversaire. Faites-le Moi-même monter. Assez doué, je le sais. Et du jus le plus élégant. Jamais. Échec. Il est dans chaque adversaire. Tout là se résume à vous apporter de quoi croquer, tout en vous laissant croire. Si vous tentez l'élégance de l'adversaire, moi-même assez doué, je le sais. Monsieur Green. Je les ai jamais vus, je leur ai même jamais parlé. Un dangereux Échec. Mélange. Tout là se résume Échec à vous apporter de quoi croquer, caché, tout en vous laissant croire. Ces empaffés m'ont totalement dépouillé. Et sur les pages des bouquins abordant des sujets tels que mathématiques. On a toujours eu l'intention de vous emmener, Jack. C'est vous. On n'a pas fait ça par sympathie envers vous. Je les ai jamais vus, je leur ai même jamais parlé. Un dangereux mélange. Échec et arnaque. Cachet, ces empaffés m'ont totalement dépouillé. Il faut y aller, main. Et sur les pages des bouquins abordant des sujets tels que mathématiques. On a toujours eu l'intention de vous emmener, Jack. Oh, pour avoir du rab. On n'a pas fait ça par sympathie envers vous. Qui c'est qui règle? On l'a pas de ravitaillement. Pas aujourd'hui, mon grand. Trouve-toi un autre pourvoyeur. Il faut y aller, ma... Tu crois que j'aime faire le mal? Tu crois que j'ai pas repéré ton putain de... Regarde-moi, bébé. Oh, pour avoir du rab. Tête. Qui c'est qui règle? N'est-ce pas? Pas de ravitaillement. Pas aujourd'hui, mon grand. Il choisit soigneusement l'endroit où il se cache. Sam Gold a rayé de son dictionnaire. C'est à Sam Gold que je vais bientôt devoir rendre des croix. Tu crois que j'aime faire le mal? Reprends le contrôle de toi-même. Tu crois que j'ai pas repéré ton putain de... Regarde-moi, bébé. Tête, n'est-ce pas? Il choisit soigneusement l'endroit où il se cache.
Sam Gold a rayé de son dictionnaire. C'est à Sam Gold que je vais bientôt devoir rendre des comptes. La plus belle arnaque qu'il ait jamais mis au point. De toi-même. La plus belle arnaque qu'il ait jamais mis au. Il y a toujours un adversaire. Et toujours. Tu crois vraiment? Il nous est redevable à tous les deux. Il est logique qu'il paie. De toute arnaque, il y a toujours un adversaire. Et toujours. Nos tables sont réservées. Pas me sentir enfermé. J'ai jamais aimé, ça changera pas. Toujours une alternative. Qu'est-ce qu'ils ont ces escaliers? Et maintenant, je suis bon pour passer les deux prochaines minutes. Toutes nos tables sont réservées. Vraiment, vraiment à l'étroit. Pas me sentir enfermé. J'ai jamais aimé, ça changera pas. Toujours une alternative. Faditas. On dit que vous vous débrouillez comme un chef. Sage m'a dit en ce bas monde, il y a une priorité. Et maintenant, je suis bon pour passer les deux prochaines minutes à 30. On est vraiment. Vraiment à l'étroit. On m'a fait comprendre qu'en vous laissant venir à ma table, je prenais un risque. Un business comme le mien, Jack. Or, Faditas. On dit que vous vous débrouillez comme un ancien employé. Combien tu as? Le sage m'a dit, en ce bas monde, il y a une priorité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Une toute petite question. Tu vas pas faire une attaque. À toi de parler. Savez-vous de quelle question il s'agit, monsieur Green? Vrai raid. On m'a fait comprendre qu'en vous laissant rouge venir à ma table, je formidable, monsieur Green. Vous avez encore progressé dans votre... Magie. Or, le plaisir de retrouver un ancien employé... Combien tu as? Pour savoir, qu'est-ce que ça peut te foutre? Mettez-vous à l'aise. Ça va pas faire une attaque. À toi de parler. Heureusement, il glisse discrètement sur le spectre des couleurs entre... Rouge. C'est formidable, monsieur Green. Mais vous avez encore force de la ramener, tu sais. Vous savez quoi? Je vais faire... Monsieur Maca apprécierait que vous remontiez à cette table. Mettez-vous à l'aise. Il glisse discrètement sur le spectre des couleurs. Mal, monsieur Green. Vous en aurez besoin. Billy Durk a la force de la ramener, tu sais. Vous savez quoi? Je vais faire pro. Monsieur Maca apprécierait que vous remontiez à cette table. Il vaudrait peut-être mieux qu'on s'en aille, Jack. Mal, monsieur Green. Monsieur D. Voilà tout. Je t'en foutrais du cul, ce mec-là est dangereux. Il a un mètre. Pige, c'est du rail à digérer. Et je te rappelle qu'il y a eu aussi l'épisode avec la femme de son frère. Qui joue l'escarface entre deux fixes. Règle son accident, je peux dire que c'est un miracle que votre. Cul, monsieur D. Voilà tout. Je t'en foutrais du cul, ce mec-là est dangereux.
Il a Ahmed. Pige, c'est du rail à digérer. Et je te rappelle qu'il y a eu aussi l'épisode avec la femme de son frère. Qui joue les Scarface entre deux fixes. Règle ça avec Sorter et Slim Biggins. Du taf soit. Nous aurons les résultats. Je voulais vous tuer, il y a longtemps que ce serait fait. Il y a longtemps que ce serait fait. Bonjour, monsieur Green. Ah oui, l'a loupé ? Asseyez-vous. Je suis moi-même impressionné. J'ai pensé que un massacre fait par l'hôpital. Il y a un truc qui tourne pas rond dans cette histoire-là. Ouais. Distance. Vous mourrez dans trois jours tué par une vilaine molécule qui en peau. Green. Monsieur Green. Doré. Okay, monsieur. Bonjour, monsieur Green. Ave. Plus dansé, mais c'est. Vrai. Je suis moi-même un passionné. Deux conditions. Que ma ces conditions étant non négociables. Peu importe. Faudra que tu te lèves tôt pour me soulager de quoi que vous ce soit. Vous mourrez dans trois jours. Vous allez nous pas seulement une arnaque, mais réfléchissez une seconde et vous réaliserez que ça n'a rien à demande. Vous ferez tout ce qu'on vous dit, y compris répondre. Mieux c'est. Le plus raisonnable serait évidemment de. Deux conditions. Si vous avez trois heures non négociables. Même pas en rêve. Tu te lèves tôt pour me soulager de quoi aujourd'hui, animal. Vous allez nous pas seulement une arnaque, mais réfléchissez une seconde et vous réaliserez que ça n'a rien. Demande. Vous ferez tout ce qu'on vous dit, y compris répondre au. Voilà, Jake. Le plus raisonnable serait évidemment. Cas d'annoncer ce genre de choses. Vous avez une rare. Vous avez trois heures pour vous décider. Coup. Même pas en rêve. Quatre heures aujourd'hui. Cinq secondes. Sans grève, je vois. Au moment de gagner, qui pense à l'échec comme des singes. Mais un fait certain, qu'on préfère voilà, ignorer. Voilà, Jake. Cas d'annoncer ce genre de choses. C'est qu'une question de temps. Quoi ce coup-ci ? Et pourquoi dans trois fois, s'il te plaît ? Un mauvais fils. À te revenir dans cinq secondes. Ressentir quoi laisserais-tu en grève ? Au moment de gagner, qui pense à l'échec. Mais aussi, si tu pouvais un fait certain, de côté, qu'on préfère ignorer. Pour moi. Bien sûr. Cela m'enchanterait. C'est qu'une question de temps. Quoi ce coup-ci ? Et pourquoi trois fois, s'il te plaît ? Qu'ils y connaissent que dalle. Un mauvais feeling. Dès lors qu'une loi existe, je jusqu'à situation désespérée. Pourquoi laisserais-tu un solution mettre en cause la qualité de nos rapports. Aussi, si tu pouvais laisser tes feelings de côté. Ça représente tant d'espoir. C'est nickel. Rêve comme la justice. Cela m'enchanterait. Nous sommes. La longue, vous verrez que vous en ferez autant. Je sais combien vous tenez à vous. Une loi existe, jusqu'à situation désespérée. Solution désespérée. Vous avez le sac en main, je vous fais signe, vous le posez sur la table. Très souci. Peut-être que ça représente tellement d'espoir. C'est nickel, que rêve comme la justice. Le certificat est déjà signé. Alors où est le problème ? Nous sommes. La longue, vous verrez que vous en ferez autant. Je sais combien vous tenez à vous. Sans vouloir être désagréable. Vous avez le sac en main, je vous fais signe, vous le posez sur la table. Je sais que je pourrais pas les emporter avec vous. Arnaquer. Alors pourquoi cette souffrance ? Peut-être que je me fais entuber. Quand c'est tombé, le certificat est déjà signé. Alors où est le problème ? Claque encore une fois des doigts et je te les casse un par un. À partir de quand ? Sans vouloir être désagréable. Avec lui, surnommé les trois Eddy. Voyant, bruyant. Maca a vu un de ses joueurs que le plaquer. Je pourrais pas les emporter juste avec avant moi. Une partie. Alors pourquoi du coup, ils sont allés trouver mon frangin et sa famille. Ils venaient en voyant ça et pour calmer le jeu, j'ai accepté de le remplacer. C'est là que ces partir de quand ont commencé à dégoûter. Vachement drôle, j'ai travaillé avec lui. Surnommé les trois et celle-là, comment tu la voyais là, je suis interrogé. Maca, les 26 joueurs leur que je craque. Juste avant le coup est parti. Ils sont allés trouver mon frangin. Même temps, lui perdait sa femme. Ils venaient en voyant ça et pour calmer le jeu, j'ai accepté de le remplacer. Après les trois et dix. Voilà. Il fallait que Maca et ses roubouseux ont commencé à dégoûter. Vachement drôle, Georges. Celle-là, comment tu l'as tout le temps lâche-moi et je suis interrogé. Les Eddy ont eu peur que je craque. Tu, le coup est parti. En même temps que lui perdait sa femme. Je ne doute pas. Peu de temps après, chambre les trois Eddy. Confort. Voilà. On vous fera signe. Il fallait que ma capelle lui aussi. Où tu vas ? C'est quoi cet embrouille ? Il y a une plombe que je fais la statue. C'est pas.
soyez indulgent. Pour l'instant, il n'y en a pas. Enchanté. Monsieur McCann, nous ne nous connaissons pas. Enchanté. Je suis Madame Walcott. J'ai estimé qu'il chambre pouvait être tout utile confort. De prendre le temps d'en poser. On vous fera signe. On peut pas voir Gold. Où tu vas? C'est quoi cet embrouille? Monsieur Gold, que je fais la statue. Nous n'aimons pas la publicité, Monsieur McCann. Non, moi non plus. Je vais... Monsieur McCann, nous ne nous connaissons pas. Je suis Madame Walker. J'ai estimé qu'il devait être utile de prendre le temps d'en causer. À date fixée. Bonne journée. Je vous apporte la poudre vendredi. Parfait. Monsieur Gold, vous... Non. Nous n'aimons pas la publicité, Monsieur McCann. Votre blé est là. Monsieur Gold, on n'accorde jamais de délai. Nous devons bonne savoir journée. Combien d'années de prison vous avez... Jour bouclé entre deux taulards dignes de ce nom. Enfermés deux là auraient été mariés, qu'ils auraient pas pu mieux se connaître. Une fois par an. C'est comme ça que j'ai lu cette théorie de l'arnaque. Vous savoir combien d'années de prison vous avez. Les mathématiques, la mécanique quantique. Échec et arnaque. Ces messieurs qui choisissent chacun d'en plancher là-dessus. Je passais 20 heures par jour bouclé entre deux taulards dignes de ce nom. J'ai planché la catégorie. Enfermés deux là auraient été mariés, inventé l'arnaque pas pu mieux se connaître. L'ultime. Une formule. Une fois par... Pour gagner l'ultime partie. C'est comme ça que j'ai lu cette théorie de l'arnaque fondée sur l'hume. Les mathématiques, du coup, ils ont estimé douter d'eux. Ils obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. Au-delà des murs, j'arrivais à ce qu'on l'avait promis. Tu viens avec nous, Jack. Et je les ai crus. Mais la moindre trace de leur passage, encore moins de leur sortie. Comme si c'était l'arnaque absolue, ou presque. Une formule pour gagner l'ultime partie. Tous mes secrets, ils m'ont juste laissé un mot et leur vertu cède derrière eux en sortant. Réglevez leur formule, estimé douter d'eux. Ils obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. Au-delà des murs, j'arrivais à 100. Ils me l'avaient promis. Chaque et tu viens avec nous, Jack. Et je les ai crus. Oui, la moindre trace de leur passage, encore moins de leur sortie. Comme s'ils s'étaient évaporés moi, ou presque. Tous mal. Tous mes secrets. Ils m'ont juste laissé un mot et une ouverture derrière eux en sortant. Réglevaient leur formule. À chaque fois que j'y pense. Elle fonctionnait. Et chaque je suis pied cuit, fait et refait. Me rendre. Pourquoi ils se donnent tous mal? Puis en transe d'automatique. L'aide de pitbull rapide dès que je ferme les yeux. Évidemment, je me rapetifie à chaque fois que j'y debout. En rien. J'y vaille. Embarquez le chien. Je suis pied, fait et refait. Comment on fait? Me rendre. Puis en transe d'automatique. Mais qu'est-ce qu'est la vieille? Elle a l'argent? Non. Vous avez eu quelque chose de la part de Rovitz? Dans les deux cas, en rien. Jouez pas au mariole avec nous. Embarquez le chien. Dorine, rentre sa caisse. Comment on fait? Le 4 tonnes, monsieur D. C'est impossible à placer. Troisième étape, roule! Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais qu'est-ce qu'est la vieille? Ce putain de con, ça sert à rien, on n'y fout jamais rien. Vous avez eu quelque chose de la part de Rovitz? Dans les deux cas, chercher ce jouez pas au mariole avec nous. Paul. Dorine, rentre sa caisse. Non, Paul. Le 4 tonnes, monsieur D. C'est impossible à faire sauter dans un abdomen qui va. Troisième étape, roule! Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Je ferai ce putain de con, ça sert à rien, on n'y fout jamais rien. C'est clair. Je sais. Où est-ce que vous êtes allé chercher ce coup? Non, est-ce que ça savoir chez qui? Mais comment, dit combien elle coûte? Trouve-en! Non, Paul. Ça devrait le faire écumer. Qu'est-ce que ça foutait dans un de nos bâtiments? Tourne bras. Je veux des résultats. C'est compris? Nous ne pouvons pas vous... Et comment que tu vas... Attendez. Est-ce que c'est clair? Je sais quoi faire. Il doit être... Non, est-ce que ça savoir chez qui, ni comment, ni combien elle coûte? Trouvera en cette eau. Vous voulez qu'on discute de quoi exact? Je parle javanais ou t'es sourd, Paul? Quand je te décompte, monsieur, c'est moi qui commande ici. Monsieur, je fais trembler tout le... Et avec mention. Attendez. Il doit être Paul. Quand tu feras la transaction. Vous voulez qu'on discute de quoi exactement? Je parle javanais ou t'es sourd, Paul? Quand je te décompte. Monsieur, c'est moi qui commande ici. Monsieur, je fais trembler tout le... Et avec mention. Paul. Quand tu feras la transaction. Qu'est-ce que vous craignez? Vous
vous êtes dur de la feuille, je vous crains rien, je dis seulement que je les aime. Ok, eh ben, il va la voir, sa putain de guerre. Je crois pas que ce soit lui, monsieur D. Il se doute. Comment t'as eu dit, Romain? Je prends les escaliers. Non, arrête, il faut que je sorte. Je vous ai dit de rester. Merde, devrait quitter une seconde des conséquences. Vous êtes dur de la feuille, je ne rien. Prenez encore votre putain de... Je me fous du monde entier. C'est putain de guerre. Je crois pas que c'est celui-là d'avoir peur. Comment t'as eu dit, Romain? Attends. Le où? Je prends les escaliers. Non, arrête, il faut que je sorte. Je vous ai dit de rester. Merde, devrait quitter une seconde des conséquences. Je me fous du monde entier. J'ai l'air d'avoir peur. Vous avez besoin. Pas que je te crève. Les conséquences. Tu sais où tu peux te mettre. Extrêmement large d'efficacité comme d'usage, mais venez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe, prenez. Plus en l'environnement fait, est vaste, plus il en a c'est le contrôle. C'est vous qui faites le travail, tant vous laissant croire que vous avez pris ces pièces, échec. Parce que vous êtes plus malin. Aidez d'avoir le contrôle, échec. Et moins elle l'a en réalité, plus la couleuvre la est formule grosse, a un éventail extrêmement large d'efficacité, plus elle est comme d'usage, fait avoir. Mais venez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe, sans contester. Prenez. Nul environnement est vaste, plus il en a le contrôle. Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un... Échec. Échec. Ça va comme vous voulez. Plus la couleuvre est grosse, oui. Plus elle a déjà servi, plus elle s'est fait temps. Avoir. Deux minutes. Type qui veut causer. Sans contester. Les gars sont nos derniers recours. Ils sont le dernier recours. Ça. Gold. Oui. Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un... Tire-toi en vitesse, à part tes potes, les deux fêlés. Ça ils doivent pas être comme voulez. Tout le monde pour que Gold n'y touche. La rumeur le dit. Soit à côté de toi. Ces deux types, et vire en deux vitesse. Minutes. Type qui veut causer. Tes deux gars sont le dernier recours. Ils sont le dernier recours. Gold. Demain. Oui. Le Gold. Demain. Demain. Demain ne viendra jamais. Tire-toi en vitesse, à part tes potes, les deux fêlés. Ils doivent pas être comme tout le monde pour que Gold n'y touche. La rumeur le dit. Ces deux types, et vire en vitesse. Vous ne tuez pas. Visez-lui seulement la vie. Il n'a pas les épaules. Demain. D'où est-ce que vous sortez, tous les deux? Demain. Pas demain. Fichu de voir ce que vous avez devant les yeux. Demain ne viendra jamais. Allez, vite, ça s'attend. Vous faites pas prier. Ah. Green. Allez, fous le camp. Exécution. Vous ne le tuez pas. Visez-lui seulement la vie. Ce que vous faites, monsieur Green. Il n'a pas les épaules. Il tient... D'où est-ce que vous sortez, tous les deux? Pas fichu de voir ce que vous avez devant les yeux. Allez, une dette, ça se paie. Vous faites pas prier. Réveillez-vous. Allez, fous le camp. Oh, exécution! Vous réalisez vraiment ce que vous faites, monsieur Green? Te laisse pas voir, Jack. Des gens qui nous surveillent. T'inquiète pas, ma chérie. Sois mignonne, tu veux? Réveillez-vous. C'est à toi que tu dois faire gaffe. Sincèrement, nous ne pourrons jamais nous faire. Des gens qui nous surveillent. T'inquiète pas, ma chérie. Sois mignonne, tu veux. Ah. C'est à toi que tu dois faire gaffe. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
La seule raison qui te pousse à endurer ton pâtiran. Généreux, drôle, mature et un homme. On est tous accros. Avec le compliment à la clé. Ah. C'est trop tard. Deuxième chance. On se demanderait la seule raison qui te pousse à endurer ton pâtiran. Pourquoi je devais pas être au courant ? Généreux, drôle, mature et un homme. Ils m'ont balancé un green. On est tous accros. C'est le frère aîné. Ils sont avec le compliment à la clé. Ils veulent vous impressionner. Très maintenant qu'on va rigoler. Et une deuxième amusant chance. Que vous disiez ça. Zach nage hyper bien. Pourquoi grimper dans ma piole d'attraper un devais pas de bain et je reviens. On vous dira tout ça en temps voulu. Je contre une dose. Ils m'ont balancé un green. Combien de temps vous vous débrouillez cette fois, son gourmand. Ils veulent vous impressionner. J'ai vécu. Tu l'annonces. Combien de temps pour vous débrouiller cette fois. Voulez-vous donner une compensation? Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était vous rapporter. Une affaire simple. 3% mensuel d'intérêt sur n'importe quel taux qu'ils appliqueraient ailleurs, légalement de ou non. De sucre, c'est bien cela. Du coup, la 2 vous a dit... Ils protégeront toujours leur investissement. Vous reconnaissez, avoir 4% mensuel. Tu sais, mais ils ont déçu. Pendant 2 ans, vous avez été fidèle au rendez-vous, précis comme une horloge. Vous l'avez joué fine. Et il voulait vous donner... Lentement, mais ce qu'il voulait vraiment, c'était... Du bout de quelques mois, il n'avait plus assez de liquidité. 3% mensuel d'intérêt sur n'importe quel taux qu'ils appliqueraient ailleurs, légalement ou non. Du coup, la 2 vous a dit... Ils protégeront toujours leur investissement. La question de avoir 4% mensuel. Je partage pas la poule. Pendant 2 ans, vous avez été fidèle au rendez-vous, précis comme une horloge. Yeah. Vous l'avez joué fine. Foutrement riche. Lentement, il s'est connecté 3 mois à la paix des garnis des faux. Vous avez pris votre frère, sa fille, la bas animée. Sur la méthode idéale pour rentrer au jeu. Il est pour de vrai, Jake. Plus il disait la vérité, plus il souffrait. La question de lâcher le morceau. Qu'ils disent la vérité. Vous leur aviez passé l'accord pour se pendre, vous épargnez. Après, vous encore plus riche. Si ce n'est... Sacrément et vous n'êtes pas autant. Riche. Au bout d'un an, déconnecté 3 mois à l'abri des regards indiscrets. Vous avez pris votre frère, sa fille, la... Débat animé. Sur la méthode idéale pour rentrer à Macca. Mais pour de vrai, Jake. Est-ce que tu plus il disait la vérité, plus il souffrait. Qui me disait la vérité pour rattraper la... Vous leur aviez passé l'accord pour se pendre, vous épargnant... Et vous l'êtes. Si ce n'est... Que vous n'êtes pas autant. Elvis, j'aimerais savoir une petite chose. Toi plus les autres, ça fait 6. Plus Lynn Biggins, qui à lui seul en vaut bien 6. Alors explique-moi comment ça, Nicole. C'est pris pour désarmer. Que tu veux dire et ne dire rue. Le basculer par-dessus un mur de 2 mètres. Et. Ne sais pas. Pendant d'où ça vient. Attention à la voile, le poisson qui crame. Je veux savoir. Bon enculé. Plus Lynn Biggins, qui à lui seul en vaut bien 6. Alors explique-moi comment ça. C'est pris pour désarmer. Et ne dire rue. Le basculer par-dessus un mur de 2 mètres et... Ne sais pas. Pendant d'où ça vient. Attention à la voile, le poisson qui crame. Bande d'enculé. Délai-moi. Maman, on est là. C'est quoi, je vois. Un dégât de Lord John, Tony le marrant. Plus drôle qu'elle a son compte. Ils ont tous cédé à la main du gars. On voit que ton feeling a tourné. Qui te dise où ma cam a été cachée. Putain. Ouais. Un dégât de Lord John, Tony le marrant. Plus drôle qu'elle a son compte. Ils ont tous cédé à la main du gars. On voit que ton feeling a tourné. Qu'ils te disent où ma cam a été cachée. On ne devient plus malin qu'en se mesurant à un adversaire plus malin. Mais quelle en est la limite, monsieur Green?
La partie se termine à quel moment, Monsieur Green? Elle est devenue votre meilleure amie au fil du temps. On s'attend à le voir surgir. Savez-vous qui est... On ne devient plus malin qu'en se mesurant à un adversaire clandestin. Vous faisant croire qu'il est mais vous, quelle en est la nul limite, ne voit jamais Gold. Mais la Gold partie se termine à quel moment, Monsieur Green? Et personne ne le sait. Claque de ce délire, ça commence à me saouler. Elle est devenue votre meilleure amie, il vous dit quoi faire. Soit mis au défi ou contestant le moins à le voir surgir. Dès lors, l'investissement pour soi. Savez-vous qui est Sam Gold? Il est à l'homme, Monsieur Christ. Vous faisant croire qu'il est vous. Nul ne voit jamais Gold. Et en ce moment précis dans son jeu, il est en train de vous dire. Personne ne le sait. Qu'il ne. À part tes potes, les deux fêlés. Ce délire, ça commence à me saouler. On vous a mis en conflit avec le. Il vous dit quoi faire. Soit dans tous les moyens contestés. Vous le protégez à l'heure blanche pour un adversaire. Là où il est à l'homme. Vous le protégez avec votre douleur. Dont je suis certain. Et en ce moment précis, qu'il y a rien de pire. Il est en train de vous dire qu'il ne. À part tes potes, les deux filles. Jusqu'où êtes-vous réellement prêt? Vous avez mis en conflit avec le. En s'en donnant tous les moyens. Vous le protégez. La meilleure planque pour un adversaire. Là où vous êtes toujours en prison, vous le protégez avec votre douleur. Tu poses des questions, il répond par des énigmes. Tu connais les règles. Il n'y a rien de pire que de te retourner contre toi-même. Jusqu'où êtes-vous réellement prêt à pousser? Pour détruire votre véritable ennemi. Vous êtes toujours en prison, Jack. Il te le fera, tu poses des questions, il répond par des énigmes. Vous ne pouvez pas le faire. Tu connais les règles. Réveille-toi ! Pas te retourner contre toi-même. Désolé de vous réveiller, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Désolé ? Non, mais tu t'entends ? Je vous prie de mettre trop loin. Clarée. Descends-le pour détruire votre véritable ennemi. N'essayez pas, Jack. Occupe-toi de ton ennemi. Il te le ferait, Jack. Veille sur tes intérêts. Usez de tout le... Vous ne pouvez pas le faire. Réveille-toi ! T'es à plat vent. Je reconnais que vous êtes désolé un de vous réveiller, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Désolé ? Non, mais tu t'entends ? Où tu l'as mise, Jack ? Un don à votre ennemi comme cadeau de paix. Descends-le, ce fumier. Dans l'attention, n'écoute pas. Il essaye de te être fait. Occupe-toi de ton ennemi. Veille sur tes intérêts. Usez de tout le... Tu branles, Jack ! Laisse tomber ! T'es à plat vent. Je reconnais que vous êtes un homme inspirant la crainte et le respect. Où tu l'as mise, Jack ? Un don à votre nom comme cadeau de paix. Dans l'intention de me faire stupidité. Tu vas mourir dans un mouchoir de poche, Jack. Vous êtes sûr de le trouver ? On est bloqué, Jack. Bloqué, les murs se resserrent, les dents se resserrent. J'entends. Sans moi ? Tu sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, la vie sans moi ? Non ! Protège, autant que je te contrôle. Tu vas mourir. Quand j'ordonne, tu exécutes. Nouveau venu. Nouveau ? Pas de vieux amis. Comme moi, des gens dont tu dois te méfier. Je reste, il se casse ! J'ordonne ! Tu exécutes ! Je vais me débarrasser de toi. Tu veux me traiter en ennemi ? Tu veux t'en prendre à moi ? Tu sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, la vie sans moi ? Non ! Protège, autant que je te contrôle. Le roi, Jake ! Quand j'ordonne, tu exécutes. Nouveau venu. Nouveau ? Pas de vieux amis. Comme toi, moi, des gens dont tu dois te méfier. Débarque ! Je reste, il se casse ! J'ordonne ! Tu exécutes ! Tu l'as pas. Je vais me débarrasser de toi. Tu veux me traiter en ennemi ? Tu veux t'en prendre à moi ? Je suis, toi ! Tu ne me contrôles pas. Me revoilà, Jake ! Je... Quoi ? Toi et moi... La plus belle combine qu'il ait jamais mis au point. Tu as arraché moi pendant que je l'ai pas. Avec une arme à feu, je te le dis. Garde ton main. Je suis toi. Tu as quel garde? Je te descends comme le sale fils pas. De chienne que tu... Je... Moi. John. Comment allez-vous, monsieur? Parce que vous faites la une ce matin. On pense.
chances que ça vienne de toi. On a déjà refroidi Lord John. Ça pourra peut-être te paraître étonnant, Paul. Du nouveau concernant Green. Si t'en veux, je peux t'en apprendre à son sujet. Comment allez-vous, monsieur? Non, plus de nouvelles de monsieur Green avant un bail. Où la blanche se trouve, il le fera dans une autre. Je pense que ça vient de toi, tout. C'est. Crains-moi! Crains-moi! Ça tourne à l'orage. Les tam-tams diffusent un message. Ça peut-être te paraître étonnant, Paul. Du nouveau concernant Green. Un message. T'en veux, je peux t'en apprendre. Évoque les problèmes que monsieur Green nous cause. Non, plus n'est rien de monsieur Green. Très fâcheux. Quoi peu, sois ignoble. Qu'on ne parle plus que de ça dans la presse demain. Règle son vie. Tout. Crains-moi! Crains-moi! Ça tourne à l'orage. Quelqu'un a prévenu qu'il venait. Diffuse un message. Il diffuse quoi comme message? Un message. Évoque les problèmes que monsieur Green nous cause. Et rien que ça, c'est très fâcheux. Quoi peu, sois ignoble. Qu'on ne parle plus que de ça dans la presse demain. Règle son. Tu sais pourquoi nous sommes là? Quelqu'un a prévenu qu'il venait? J'ai dit. Ah, et tu veux parler? Qu'est-ce que je te dis? Paul, va te cacher dans le sacard. Impossible de savoir, il bouge tout le temps. Chut. Ok. Tout ouvre. Tu sais pourquoi nous sommes là? Je ne te crois pas une minute. J'ai dit. Je peux me fier à personne. M'anéantir. Et tu veux parler? M'anéantir. Paul, je viens de boulot. Je sais. Il me finira. Impossible de savoir, il bouge tout le temps. Tout ouvre. Me dis pas. Je pense que tout le monde vous tenait pour un sale type, monsieur Macquart. Pas une minute. Savoir. C'est une couronne. Je me fie à putain, saloperie de couronne. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Macquart? Je vais au boulot. Monsieur Gold. Il me finira. Comme vous verrez vous-même. Bonne chance. Est-ce que j'ai une tête de cave? Il veut savoir comment je m'appelle? C'est facile, Arnello. Je serai les premiers. Je pense que tout le monde vous tenait pour un sale type, monsieur Macquart. Savoir. C'est une couronne. Une putain de saloperie de couronne. On va le voir venir. Est-ce que vous avez rôle, monsieur Macquart? Monsieur Gold, comme vous verrez vous-même. Bonne chance. Est-ce que j'ai une tête de cave? Il veut savoir comment je m'appelle? C'est facile, amenez-le. Tu seras les premiers. C'est pas très compliqué, tu l'as. Demande-moi. Et ça? La tête dans le seau. Va le voir venir. Il vient y avoir un froid entre nous. Dis-moi ce qui s'est passé, Hello. J'en avais jusque-là commencé à tripoter les cheveux de la petite. C'est là que, sans prévenir, sans plus en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Ou pareil, réservé aux grandes personnes. Dans le seau. Voilà ce que je veux que tu fasses. Oui. Viens y avoir un froid entre nous. Dire, d'accord, t'as bien compris. Il te suffit de venir la chercher. Dis-moi ce qui s'est passé, Hello. J'en avais jusque-là commencé à tripoter les cheveux de la petite. C'est là que, sans prévenir, sans plus en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Faites-le monter. Ce qu'on vient faire là? Un dernier cadeau. Et du jus le plus élégant. Jamais. Jack Green. Il est dans chaque adversaire. Si vous tentez. Pourquoi fait une? L'élégance de l'adversaire. Faites-le moi-même monter. Assez doué, je le sais. Et du jus le plus élégant. Jamais. Échec. Il est dans chaque cas. Tout l'art se résume à vous apporter de quoi croquer, tout en vous laissant croire. Si vous tentez l'élégance de l'adversaire, moi-même assez doué, je le sais. Monsieur Green.
Je les ai jamais vus, je leur ai même jamais parlé. Un dangereux mélange. Tout l'art se résume à vous apporter de quoi croquer. Cachet, tout en vous laissant. Ces empaffés m'ont totalement dépouillé. Et sur les pages des bouquins abordant des sujets tels que... mathématiques. On a toujours eu l'intention de vous emmener, Jack. C'est vous. On n'a pas fait ça par sympathie envers vous. Je les ai jamais vus, je leur ai même jamais parlé. Un dangereux mélange. Échec et arnaque. Cachet, ces empaffés m'ont totalement dépouillé. Il faut y aller, ma... Et sur les pages des bouquins abordant des sujets tels que... mathématiques. On a toujours eu l'intention de vous emmener, Jack. Oh, pour avoir du rab. On n'a pas fait ça par sympathie envers vous. Qui c'est qui règle? On l'a... Pas de ravitaillement. Pas aujourd'hui, mon grand. Trouve-toi un autre pourvoyeur. Il faut y aller, ma... Tu crois que j'aime faire le mal? Tu crois que j'ai pas repéré ton putain de... Regarde-moi, bébé. Oh, pour avoir du rab. Tête. Qui c'est qui règle? N'est-ce pas? Pas de ravitaillement. Pas aujourd'hui, mon grand. Il choisit soigneusement l'endroit où il se cache. Sam Gold a rayé de son dictionnaire. C'est à Sam Gold que je vais bientôt devoir rendre des comptes. Tu crois que j'aime faire le mal? Reprends le contrôle de toi-même. Tu crois que j'ai pas repéré ton putain de... Regarde-moi, bébé. Tête, n'est-ce pas? Il choisit soigneusement l'endroit où il se cache. Sam Gold a rayé de son dictionnaire. C'est à Sam Gold que je vais bientôt devoir rendre des comptes. La plus belle arnaque qu'il ait jamais mis au compte. Toi-même. La plus belle arnaque qu'il ait jamais mis au...